Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une grosse exploration d'une usine abandonnée. Malheureusement j'ai pas trop d'informations sur ce lieu, même si j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas trouvé. Donc voilà, on va aller explorer ça tout de suite, c'est parti. C'est parti, on commence directement à voir les bâtiments, les entrepôts. Alors je suis déjà venu ici, donc je connais un peu le lieu quand même. Heureusement, parce que là je suis encore une fois seul. Donc c'est quand même mieux de connaître le lieu quand on y va seul. Comme ça on peut déjà un peu mieux se repérer. Là, clairement, si je comptais me faire repérer, c'est un peu bien. On va rentrer par là. C'était juste un petit hangar, je pense. Maintenant, il va falloir qu'on rentre le temps. Il fait vraiment très très sombre. Et je n'ai absolument pas de lampe torche, Vénus. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu, c'est que en bas, au rez-de-chaussée, donc là où on était, il y a très 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 peu de lumière. En même temps, il est tôt, donc le soleil ne s'est pas forcément bien levé. Et j'ai clairement pas envie d'y aller seul, parce que j'ai pas de lumière ni rien. Donc du coup, on va faire d'abord les parties supérieures, et on fera les parties inférieures plus tard, s'il y a de la lumière. Oh, l'ambiance qu'il y a. Est juste folle. Voilà, là je suis un peu plus rassuré. Parce que comme vous pouvez le voir, on est à l'extérieur, il fait vraiment genre. C'est pas que j'ai peur, hein, mais un petit peu quand même. Ok. Alors le sol dessus il est pas très solide, au moins longtemps. C'est pas très rassurant. On va essayer parce que de dehors c'est très très sombre, c'est horrible.
C'est fou à quel point c'est magnifique. Surtout que ce bâtiment est extrêmement vieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout galéré à escalader ça. Alors qu'il y a une échelle et tout. Voilà, donc là, je suis complètement sur l'ascenseur de service. Je pense que ça servait à monter et descendre les charges ou le métal, tout simplement. Donc on peut voir qu'en dessous de moi, il y a clairement pas mal de vide. Ça descend jusqu'en bas de toute façon. La qualité des tags qu'il y a ici est juste folle. Et je pense que ceci devait être un sort de toboggan pour tout ce qui est appareil métal ou outils, choses comme ça. C'était un peu le baril d'avant quoi. Il y en avait un qui avait sa bouffe et il le mettait dans le toboggan et c'est arrivé au premier étage quoi. C'est sympa, c'est cool. Maintenant je vais redescendre tout ça. Yes, encore de la dégradation humaine, c'est parfait. Ah. Maintenant, on prendra après cet escalier. Alors on est de retour dehors. On va visiter toutes les petites parties qui sont là et là-bas aussi. Hop. On va passer par ce petit chemin de briques. Le bâtiment principal. Ah putain de merde. Ok, il y a un peu trop de végétation. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. L'entrée pour la petite partie, la petite dépendance qui est sur le côté. Est-ce qu'on va voir là-bas? Ouf, oui. Pas du tout ce que ça peut être ici.
film ou pas? C'est quoi ce truc? Ok, il y a une échelle. Je les sens clairs, on est pas dedans. Je m'en bats les couilles. Mais ça c'est mort. Je vais clairement pas descendre. Je ne veux absolument pas. Faut appeler Hagrid, on va pouvoir aller au chemin de traverse. Ok, hop. Donc je viens juste de faire le tour en fait. Énorme. Session photo argentique terminée. On est reparti. J'ai enfin un bambard. Pour avoir un plan très large. Donc là on est vraiment à l'accès qui donne au sous-sol. Tu peux y aller? Ouais, c'est là. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, un peu plus éclairé. Par contre ici. Pas ouf.
On n'est pas allé encore. Ça a l'air sympa. Hein. En gros, tout à l'heure, j'ai vraiment une crise d'angoisse parce que le fait d'être tout seul dans un endroit où il y a très très peu de lumière, ça m'a haché. Et même, en fait, c'est la lampe torche reflétait les poteaux et ça faisait des ombres un peu partout. Ok. Et j'ai clairement eu très très peur. Parce que je suis clairement une zoulette. Alors, c'est une sorte de... des escaliers. Ah non, triste. Ah, c'est une sorte de... Je ne sais pas même pas comment je pourrais l'appeler. C'est une sorte de comment dire... C'est une sorte de... Je ne sais même pas en fait à quoi ça sert, mais en tout cas c'est très... En tout cas, c'est très joli. Et ben c'était un bon moment de... De flip, hein. On va pas le dire autrement. C'était génial. J'ai flippé ma grande baronne à chaque fois. Voilà. Alors je suis sorti du lieu. Je vais essayer d'aller. Ok, ça je connais pas. On n'était pas allé la dernière fois. C'est mystérieux. Oh, c'est le convoi tout à l'heure. Voilà. C'est en fait c'est là qu'on se rend compte vraiment que le lieu est immense. Là on était tout à l'heure. Enfin tout à l'heure on était tout en haut là. Oh. C'est vraiment très très beau en tout cas. Même si y a beaucoup de détritus et de conneries laissées par les hommes, hein, forcément. Je change pas une bonne habitude. De canettes aussi, hein, par la même occasion. C'est d'être le cul. Oh putain, il m'a fait peur le corbeau. Oh le fils de p***. Voilà, cette vidéo urbex est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le lieu était intéressant pour vous, que vous avez eu peur autant que moi, parce que moi j'ai clairement flippé ma race. Voilà, c'est pour ça que j'aime aussi ce genre d'exploration. Quand on est seul, il y a une ambiance, même s'il n'y a rien du tout. Hein. Moi, je sais qu'il n'y avait personne dans le lieu, mais j'ai flippé à chaque bruit qu'il y avait. J'espère que c'est un bon moment que je vous ai fait partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un like, tout ça, etc. Partagez la vidéo aussi si ça vous a plu, c'est très important pour me donner de la visibilité. Sinon, bah salut les potes, à la prochaine.